Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons parler du dernier opening de Boruto, le numéro 10 qui est sorti cette semaine, un opening qui est vraiment très classieux et surtout qui fait des foreshadowing par rapport au manga. Donc on va revenir aussi sur le dernier chapitre de Boruto et ce qui arrive à Boruto, cette fameuse crise cardiaque qui est clairement spoilé dans l'opening 10 de Boruto, et cet opening est plutôt intéressant puisqu'il met en avant la solitude de Boruto et aussi tout ce qui est aux alentours de l'équipe 7 de Boruto. Personnellement, j'ai toujours adoré depuis que je regarde des animés, les openings et les endings. Pourquoi ? Puisque souvent, eh bien, ça raconte quelque chose et la plupart des épisodes de Boruto racontent des choses, mais surtout, eh bien, vont teaser des choses qui vont venir à l'avenir ou pas. Puisqu'il y a eu des openings ultra classe de Boruto et au final, qu'on rien ramené par rapport à l'histoire et ce qui s'est passé dans l'animé, mais là on a vraiment l'accent sur l'équipe 7, sur la solitude de Boruto et surtout sur quelques éléments de Sarada, de Mitsuki et de Kawaki, et surtout ce personnage de Himawari qui serait en danger. Donc ça serait peut-être par rapport à des HS de Boruto, ou pourquoi pas même un teasing par rapport au manga. Et d'ailleurs, petite info, avant de continuer l'analyse de cet opening, il faut savoir que plusieurs artistes du monde entier ont collaboré pour faire cet opening avec TV Tokyo. Et ça c'est ultra classe, puisqu'il y a même eu un français qui a participé à plusieurs séquences. J'essaierai de vous mettre les liens de tous les artistes que je suis sur Twitter qui ont participé à cet opening, et cet opening est classe déjà par rapport à cela, mais surtout par rapport à sa mélodie et sur ce qu'il raconte. On a vraiment la sensation que Boruto est en train de sombrer dans la solitude la plus totale alors qu'il est encore entouré. Alors très clairement, j'ai pas envie de passer pour un mec chelou, mais dans les animés, dans des histoires, dans des films, etc., j'aime voir des personnages sombrer, plus précisément le héros, pour voir jusqu'à où ça va l'emmener. Et là, cet opening, eh bien, il montre un Boruto qui est certes encore entouré de ses compagnons, mais qui se sent seul. Et ça c'est ouf, pourquoi ? Parce que dans la vraie vie c'est aussi le cas, des fois tu peux être entouré, mais au final le soir tu peux te sentir seul. Là, dans la configuration de Boruto, on a un personnage qui doit vivre avec une entité à l'intérieur de lui, et c'est qu'il a un compte à rebours, et ce compte à rebours s'appelle Momoshiki. Et ce qui est archi cool avec cet opening, pour ceux qui sont cross-platform, donc qui regardent à la fois le manga et l'anime, on a des petits teasings foreshadowing de ce qui se passe actuellement dans le manga, pour ceux qui suivent uniquement l'anime. On a ce Boruto, plus précisément cette image qui se tient la cage thoracique comme s'il allait avoir une crise cardiaque, chose qu'il a eu dans le dernier chapitre de Boruto par rapport à l'apparition de Momoshiki. On a aussi un deuxième foreshadowing qui est plutôt intéressant, qui est celui de Kawaki qui va avoir la main sur son œil, et on sait, eh bien, dans le dernier chapitre qu'il a révélé un nouveau dojutsu qu'on connaît déjà, qui était celui de Ishiki, le Darmagan. Fait également intéressant, on va trouver un petit indice dans le Sharingan de Sarada. On va voir un plan avec Sarada sous la pluie, et plus précisément avec un focus sur ses Sharingan, où on peut analyser le symbole des Otsutsuki. Et ça c'est intéressant puisque à ce moment-là, Sarada observe quel Otsutsuki ? Momoshiki, Toneri ou un autre Otsutsuki qui serait intégré dans DHS ou dans l'histoire réel de Boruto. Ça c'est cool, pourquoi ? Puisqu'on aurait peut-être un retour en force de Sarada, Mitsuki et Kawaki plus précisément. Surtout Mitsuki et Sarada qui sont un petit peu les personnages oubliés de la Team 7. Mais encore une fois, je vais pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on montre dans cet opening par rapport à Mitsuki et Sarada plus précisément. Pourquoi ? Puisque malheureusement dans l'histoire de Boruto, ça fait un moment maintenant qu'on les voit plus briller, et quelque chose qui me rend dingue, qui me rend ouf dans la licence Boruto, c'est que Mitsuki, plus précisément, a le mode Sennin Dragon, à un stade évolué jamais vu dans la licence Naruto et Boruto, et malheureusement, il ne l'a jamais utilisé dans un combat phare dans la licence Boruto. Après, l'une des choses qui commence à être de plus en plus présente, c'est la construction scénaristique du personnage de Kawaki par rapport à Boruto. On a vraiment ce parallèle entre un Boruto qui est en train de se perdre et un Kawaki qui est en train de se construire et de se révéler. Pourquoi ? Puisque même dans cet opening, on voit un Kawaki qui va être le sauveur réel de Himawari, sa petite sœur adoptive, entre guillemets, et on va voir un Boruto qui, lui, eh bien, va servir de la rattraper au dernier moment. Et on a surtout cette représentation, que ça soit au début de l'opening et à la fin de l'opening, de deux bandeaux.
un bandeau qui est laissé pour compte et un deuxième qui est laissé pour compte mais qui sera sûrement repris par quelqu'un. Et ce personnage n'est nul autre que Kawaki qui veut devenir un ninja. Et malheureusement, plus les chapitres avancent dans l'histoire de Boruto, plus l'anime est diffusé, plus on se rend compte que Boruto sera le méchant de sa propre histoire malgré lui, à cause de Momoshiki et à cause du Kama qui commence à s'éveiller de plus en plus en lui et qui ne peut pas stopper ce dégel. Et c'est là où c'est intéressant puisque cet opening montre vraiment ce Boruto qui est dans l'ombre, seul, vraiment dans des plans toujours sombres, pendant que Kawaki, lui, est dans des plans lumineux, dans un champ avec des fleurs, etc. Donc on a vraiment ce contraste entre ces deux personnages, entre Kawaki qui penche vers la lumière, vers un chemin lumineux, et Boruto qui, lui, sombre de plus en plus dans l'ombre. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le premier opening ou ending qui met Boruto dans cette situation de sombre. Donc ça c'est intéressant, pourquoi ? Puisque si on analyse chaque opening, on a cette évolution de ce Boruto qui se perd et qui n'arrive plus à se retrouver. Alors j'ose espérer, et ça depuis plusieurs vidéos que je vous l'explique, que le Jogan sera la clé pour Boruto pour retrouver la lumière, puisque le Jogan c'est l'œil pur, donc je vois bien cet œil lumineux le sauver de cette partie sombre qui est en lui, donc Momoshiki, et pourquoi pas canaliser l'Otsutsuki qui est en lui grâce à cet œil. Mais malheureusement, avec l'importation du Jogan dans le manga, il faudra vraiment trouver les ficelles scénaristiques pour bien coller la chose. Pourquoi ? Parce que dans l'anime, ça a été véhiculé trop tôt le Jogan, puis vite oublié, et dans le manga, toujours pas révélé. Après, encore une fois, avec les belles images qui nous est montrées dans cet opening sur Sarada et Mitsuki, j'ose espérer un développement un peu plus poussé sur ces deux personnages. Sarada, franchement, je suis de plus en plus déçu. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière Uchiwa et j'attends réellement énormément de ce personnage par rapport à tout ce qu'on sait sur le background de son clan, etc. J'espère qu'elle va être à la hauteur de l'héritage de son clan. Et d'un autre côté, on a Mitsuki, qui n'est pas n'importe qui est le fils d'Orochimaru. Et j'espère réellement qu'on aura une remise en avant de ces deux personnages dans l'histoire et que ce teasing, tout simplement du symbole du clan des Otsutsuki dans le Sharingan de Sarada, soit Momoshiki, soit Boroshiki, soit un autre Otsutsuki que Sarada devra affronter. Dans tous les cas, pour moi, cet opening, c'est un 10 sur 10, et en plus, c'est le 10e opening, donc ça tombe bien. On a vraiment quelque chose d'homogène au niveau de ce que ça raconte par rapport à Boruto, Kawaki et l'équipe 7. Au niveau de la musique, c'est le top du top. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être que je suis passé à côté de petits éléments qui pourraient spoiler la suite de l'histoire, mais dans tous les cas, pour moi, faut vraiment rester focus sur le personnage de Boruto qui sombre, et surtout ce symbole des Otsutsuki dans l'œil de Sarada, et pourquoi pas la remise en avant de ces deux personnages, Sarada et Mitsuki, et surtout l'avènement de Kawaki au niveau de la lumière. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur cette analyse d'opening 10 de Boruto qui m'a forcément plu. Sincèrement, j'ai vraiment kiffé l'opening. À vous de me dire toutes vos théories sur l'avenir du personnage de Boruto, sur sa crise cardiaque par rapport au manga actuellement. Est-ce que c'est réellement à cause des médicaments d'Amado ou de la possession de Momoshiki qui a créé cette crise cardiaque sur le personnage de Boruto? Dans tous les cas, je vous invite réellement à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss !